payer, je vais payer pour un jeu Final Fantasy sur scène. Ah, sérieux, on va vraiment sortir tout Final Fantasy sur scène. Même le 15. Non, pas le 15. Ok. Yo, tout le monde, c'est le DJD, donc c'est moi pour l'introduction du bus, que je suis en train de parler avec Étienne, puis j'ai. Je l'ai fait filmer en même temps. Donc, c'est pour ça que. Il y a une part Final Fantasy. Bon, donc aujourd'hui, on se retrouve sur la suite du Let's Play de Tomb Raider. Donc, avec certaines missions qui étaient de détruire les communications des tours radio pour avoir le putain de crochet qui va nous servir à crocheter des coffres, etc., etc. Donc, c'est parti pour la suite. Donc, vous savez que moi, quand je joue, je ramasse tout le bois et les ressources que je trouve pour me faire des flèches. Autre goodies, si je peux dire. Donc, c'est parti. Donc, là, faut partir par là. Mais toi, que t'avais déjà commencé. Un bidon de fuel! Ouais, mais t'avais déjà commencé à jouer, t'avais déjà commencé à faire les affaires, moi. Ouais, j'avais commencé, mais j'avais pas eu le temps de le finir. Ah, parce blablabla. que C'est pas vrai. la fin de la vidéo prochaine, donc j'ai pas le temps de le finir. Ouais, ah oui, pis c'était la soirée, pis tu fais faire une chambre de bonheur en plus. Ouais, Ça fait a été en off, c'était un peu à cause de toi, en fait. Ouais, c'est pas à cause de moi, hein. C'est pas toi qui a la marque. Ouais, pour ceux-là qui me disent, tiens, fais-tu une vidéo à soir? Ouais, pas me faire une vidéo sur mon site. Ça fait de très mauvaises vidéos sur mon site. Particulièrement sur un téléphone, là. On va essayer. Si on veut que c'est de la merde, ben. On n'apprend pas. Alors, on va l'essayer, c'est de la merde. Hey! Ok, bitch, parce que j'ai genre en 5C, bitch, en soirée. Je pense que ça se vendait. Parce que mon écran est assez large, genre, bitch. Ah, tu clos. Ouais, je pense que c'est ça, oui. Je pense que je vais essayer à toi. Ouais, je vais essayer. Bonne chance. Donc comme vous voyez là il nous faut le crochet. Mais comme on l'a pas, ben c'est ça, on peut pas l'oublier. C'est pour ça que je fais la quête pour avoir le crochet. Parce que dans les armoires comme ça vous trouvez soit des flèches, des balles ou des pièces supplémentaires qui vont faire en sorte que vous savez améliorer vos armes, votre arc, votre collet et tout ça. Ok, on peut-tu avoir aussi des rayons? Des pièces à 30? Oui, ça peut arriver. Mais c'est rare. Mais c'est rare, ouais. Ok, ouais. Disons que les pièces à 30, t'es. En plus que, mettons, genre, que t'es sur la carte, là, mettons, là, tu cherches, t'sais, ah, pièce ancienne, tu y vas, plutôt. Ok, ouais. Ouais. Mais vraiment, c'est rare. Tu peux en trouver des emblèmes, mais c'est assez rare. Vous faites de la chasse. Parce que la chasse, bon, il y en a qui vont dire, ouais, moi, la chasse, j'aime pas ça, maintenant. Je pense que vous avez pas fait le ça se peut que. C'est sûr que la chasse c'est peut-être chien à faire puis c'est plate. Mais je vous conseille de le faire parce que quand vous le faites, ça vous donne de la peau d'animaux et tout. Et puis la peau d'animaux, ben, ça fait que vous pouvez vous construire des choses pour plus tard comme un habit ou des choses que vous voulez absolument vous construire. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Là je pense. Là je pense, je vous le dis pas, mais. Oh putain. Là j'ai eu ça à faire, mais en fait j'ai fait comme papa en tout. C'est j'ai une mission à faire, mais j'ai fait papa en tout. C'est que j'ai. Ben tu vas faire ok vite. Ouais, c'est ça que je fais aussi. Donc désolé si il y a une partie chiante parce que je ramasse des arbres et des affaires, mais du bois et des affaires, on a toujours besoin pour se construire des choses. N'oubliez pas que c'est Jimmy dit, c'est même pas vrai, c'est pas vrai. J'en voulais me construire à une poche pour des balles de fusil. J'avais pas le choix. Je voulais me construire une poche pour transporter plus de balles. Ben pas pour ramasser des ressources. Ah ok, là je comprends mieux là. Mais rien que tu expliquais, ça valait rien, hein, c'est pas vrai.
On va ramasser les gardes parce qu'eux autres, ils ont beaucoup d'affaires sur eux. Et eux autres, notamment des affaires aux autres. Hein? Ouais, il y en a qui donnent plus d'affaires que d'autres, d'autres qui donnent vraiment juste de la merde. Il y en a qui donnent vraiment des bonnes affaires. Ouais, hein? Ouais. Surtout des pièces pour arranger des armes, là, tout, tout ça, là, je pense que c'est une baisse que tu peux pogner sur un garde. Ouais, je pense que j'ai pris une glace ouais, sur mon cellulaire, mais genre, je vais essayer de mettre ton portable sous mes mains, genre là-dessus, hein. Là, ça va être écran, genre, que je vais mettre de même, là, puis... Ouais, ça marche... Ça va être cool, là. Ça marche, c'est quelque chose. Ok, ben, je vais pas tenter de quoi, tu vas voir. Ok, voyez-vous, ici, là, je sais même pas, en plus, si j'ai encore la mission. Ça va pas de savoir, hein. Ben c'est mon son, hein? Ouais, j'ai encore la mission, sinon j'aurai pas de choses vraies qui me disaient, ouais. Ok, donc si vous avez vu, on a une tour radio à aller d'affaires en haut là-bas. On va aller d'affaires tout de suite. Comment y aller, vous allez me dire? On va t'en parler, voyons. Et cette grotte-là, est-ce qu'on peut y aller? Bonne chance. Oui, j'étais déjà venu. Il y avait des estimes. Il y en a encore. Dans la bouteille, on prendra pas le temps de tuer cet arbre-là. Juste monter. Excusez, je suis trop heureux. Vous l'avez vu, j'étais heureux. Ok, cool, on peut monter par là. Puis les loups, c'est pas parti? Non, les loups, je les ai laissés faire. Ça, j'en ai pas un besoin pour l'instant. Peut-être que t'avais dit que t'avais besoin d'avoir des peaux de loup, non? Non. La peau de loup, elle sert pas vraiment à chose. C'est plus la peau de l'ours qui sert à... Ah, ok, c'est beau. Ouais. Peau de l'ours, ok, c'est beau. C'est ça que je me suis trompé. Il y avait peau de l'ours, peau de loup. Mais l'ours, il est assez dur à tuer. Puis à date, j'en ai rien que tué un à date. Puis je sais même pas s'il y en a d'autres. C'est sûr que vous devez en avoir d'autres, mais s'il y en a d'autres, où est-ce qu'ils se cachent? C'est ça, c'est ça, là. C'est où est-ce qu'ils se cachent et où est-ce qu'ils sont? Ouais, parce que là, faut quand même se dire que. Côté ours, là, ils sont bien cachés dans ce jeu-là. Ah oh, ouais, c'est sûr. Hein. Ouais, ça, je pense que je me mettrais un chasseur d'or qu'à ours. Deuxième. J'ai commencé la dernière fois j'avais joué, la dernière fois j'étais rendu niveau 64. Ok, on a une tour à deux à aller d'appel là-bas, donc on a monté en là pour rien du tout. C'est génial. Parce qu'en fait la tour à deux t'es juste là. Hey, je n'en reviens pas, man. Check ça. Ça marche. Des loups, j'ai vu, j'en ai vu un. C'était pas des loups ça. Oh, mais c'est un défi tambour. Déjà, on va regarder le défi tambour parce qu'on pourrait avoir... Des compétences qu'on peut pas avoir au cours du jeu. Des compétences secrètes. Sois pire, je connais les affaires. Hein. Ok, voilà, là, ça c'est la chose secrète. Il me faut la dague, il me faut les flèches à cordes, puis je les ai pas. Oui, donc tu peux pas faire? Non, je vais revenir plus tard. Parce que Jacob, le gars qui est en prison, que je t'ai déjà montré, je pense. Non. Non. Je l'ai montré, bravo, merci d'avoir accroché le point. Parce qu'il y a un gars de Jacob, que tu rencontres dans une prison, il donne. Essaye de t'évader, en fait, parce que tu as été capturé. Et puis, il donne quelque chose pour avoir une dague à corps. Ok. Ben, en fait, il faut que tu trouves un arc, parce que là, t'es comme dans la prison. Ok, ouais. Genre, tu trouves un mur de fer avec ta pioche. Et tu peux chercher un arc avec des. Ah, c'est cool. Excuse-moi. Ok, tout le monde, faites pas le saut. Etienne, moi, je suis très fort. Je suis une trompette. Je déteste la trompette. Oui, si mon instrument, j'ai les plus. Ça fait trop de bruit. Bon, donc là, les gens, je suis un petit peu perdu.
Dans ce cas-là, faut que j'aille chercher une paroi à l'escalier. Hein? Hey, tu m'as texté tes lettres. Ouais, c'est moi. Texte ça. C'est pas vrai. Je pensais que t'allais dire what? Non, je sais ce que je t'ai texté. Je pensais que t'allais dire excuse-moi, je savais pas là, je sais pas mes noms. Ok. Je pensais que mon tour allait marcher, mais. Donne 3 tours sur 5 de désactiver. Le tour radio. Oh, t'as un engrenage. Ouais. Ben, t'as quelque chose. C'est ça, t'as quelque chose. C'est... Ok, alors, pis, gars, pas ça, mais compliqué à vie, t'as de quoi, là. Là, là-bas, j'ai de quoi de faire, ce putain. Oh, putain. Oh, il y a des élans. Ouais, donne-toi un élan. T'es pas pire, hein, Jimmy? Hey, non, man! Il y a du sang! Mais qui saigne! Les loups vont sentir l'odeur du sang! Ouais, mais c'est pas grave, je vais être dégagé jusque-là. Oh, cool, ça m'a donné des serres! Des bois! Ouais, des bois. Ok, pour ça qu'il disait, Jimmy, est-tu poche les affaires? Oui, il est très poche, machin. Il est comme mieux que moi. Va donc, pété! Ok. Non, je pensais que t'as dit, ok, on va me péter, mais non. Non, c'est fait. On va plus. C'est pas vrai. Faut que j'aille en bas. Je suis comme pas capable d'y aller. C'est quand même bizarre, pareil, d'entendre des loups hurler, pareil. Hein? Ouais. Tu sais, genre, t'es seul là-dedans, tu sais, tu te dis, ah, ça te l'air bien tranquille, pis t'entends ça qui hurle, t'es genre, oh fuck. Moi, en tout cas, je peux ramener. Je sais pas comment aller en haut là. Là-bas? Ouais. Parce qu'il faut que j'aille pour enlever ça, mais. Peut-être en montant par là-bas, mais là, je peux plus. Pas. Je vais essayer de quoi les gens là, mais je suis vraiment pas sûr. Dans le sol là-bas. Peut-être, la soirée. Tu regardes à combien de minutes on est rendu. T'as-tu que je t'ai? Ouais. 12 minutes. Ok. Je joue par le reflet de la TV, pour ça. Est-ce qu'on peut pas? Non, on peut pas. Tu t'accroches là-dessus. Ah putain! En plus, t'as les loups qui sont proches. Je sais que ça va bien. Je sais qu'il y a une corde pour pouvoir y aller. Je vais aller là-bas. Ouais, je vais te faire attaquer par les loups. Ouais, je m'en cale sous les loups pour l'instant. Non, moi, à ta place, je m'en foutrais pas parce que tu sais, c'est quand même dangereux. Oh! Il y a une corde là. Bon. Il y a plus de gueule là. Bon. C'est rien que pour faire ça. Rien que pour ça. Non, c'est pas rien que pour ça. Ah, t'as ta gaffe de le lâcher. T'aurais pas dû. J'avais pas le choix par contre de le lâcher. Oh, il a remonté. Non, ok, bah. On descend. On va descendre. On va monter. On va aller chercher la pile de choses. Tu es en haut là? Ben, c'est vrai, les loups, man, ils me font buzzer. Hein. J'ai-tu compté mes aventures que j'avais eues l'été passé? Ouais. Ouais? C'est comme quand on croyait au détecteur des loups-garous pis la paix dans la cause, on essaie de ça. Ah, ben, on devrait faire une vidéo là-dessus, man, c'est les pranks. Ouais. Les pranks d'application, on devrait faire ça. Parce que c'est vrai que comme application, c'était pas terrible. Ouais, ça me laisse quand même, ça, des fois aussi ça laisse un petit doute, genre ça existe-tu, tu sais, ça, ouais, ça laisse un doute. Ah ouais, c'est ça, tu sais, après ça, nous autres, on vient qu'on bat, ça. Quand on vient avec des applications pour un examen. On vient que, tu sais, on aime pas trop ça. Comme l'application à...
je vais essayer de trouver des fantômes. Détecteur de fantômes. Ouais. Moi j'ai trouvé le code pour les attirer du garou, c'était 11 11 11. Ben c'était 111 en fond. Ouais. Les applications Prime, c'est vrai que... Il y en a pas mal aujourd'hui. Et... Puis il y a Pokémon Go. Il est pas encore sorti. T'es sérieux? Ouais, il est sorti, puis il est sorti. Mais moi j'allais sur mon set. Il est en train de chialer. Il dit, si vous n'êtes pas capable de vous donner une date précise, annulez dans l'application. Là, tu fais pas ça, c'est que tu vas pouvoir aller pour ton affaire. Et moi j'ai écrit un message aussi. J'ai écrit à chère personne qui fait Pokémon Go. Check. Monte, check. Monte par là. Monte par là, c'est là. Monte par là. Ah, ouais. Puis moi, j'ai écrit un bon message de l'application aussi. J'ai dit, chère personne qui fait Pokémon Go, si vous n'êtes pas capable de vous donner une date précise, soit vos agents sont dans un tout inclus, ou soit ils sont en train de se pogner le cul. Bien dit. Très 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 bien. C'est quand je dis dans tout inclus, tu sais, sur notre voyage, tout inclus. Ouais, ouais. Ou ben sinon, ils se pognent le cul. Je sais pas s'ils m'ont répondu. Ils m'abandonnent d'abord, ils m'abandonneront pas parce que je les ai quand même insultés. Mais c'était le temps d'agir. Donc, tu sais où aller, non? Ouais, je sais où aller. C'est juste pour être sûr que je manque rien sur mon chemin. Et ça, il va falloir venir. Là, quand vous avez fini la quête, les gens, vous pouvez aller voir le gars, ce gars-là. Terminé. Et lui parler. Une relation neutralisée. C'est fait. Bien. Nous n'avons pas grand-chose à vous donner. Mais si vous combattez à nos côtés, servez-vous de ça. Il vous donne le crochet. Le crochet qui vous permet de crocheter ce coffre au début qu'on pouvait pas. Pistolet déverrouillé. Ça oui, peut, ça okay, peut, on peut vraiment débloquer des... Dans l'équipement, si vous voyez, on peut se créer ça. Petite poche en pot augmente la capacité de stockage de ressources. Donc pourquoi ne pas se faire ça? Ça, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manquait une peau, une viande d'animal, d'animal spécial. Qui s'appelle animal exotique. Donc on va aller voir ce qu'on pourrait augmenter dans notre, sur notre pistolet. Parce que là on a un nouveau pistolet. Canon, poly, réduit, la dérive du tir, augmente ainsi les dégâts infligés. Oh oui, c'est prêt. On va se prendre ça. Ça, grand chargeur. Un chargeur plus volumineux permet plus de tirs avant de devoir recharger. Ouais. Donc ça, on va se le prendre aussi. Ça pourrait être très utile. Ben oui. Pour l'arc, on peut rien faire. Pour le piolet, on peut rien faire non plus, donc c'est correct. Et puis, on a un peu de compétences qu'on va se mettre aussi, bien sûr. Dans le chasseur. Donc le temps de viser stabilise, augmente les tirs chargés à l'arc. Utilise le temps de survie pour détecter la présence d'animaux exotiques et localisés. On va s'en prendre ça. Pour les animaux exotiques, ça. Ah, Fred, tu sais qu'on voit les dents qui claquent. Les animaux exotiques, on va savoir où ils sont. Ils sont où? Pour l'instant, la bombe, on n'a pas encore, parce qu'on commence le jeu. Là. Plus tard, il va y avoir des animaux exotiques. Genre des dieux de l'homme. Ouais. Comme là, que, tu sais, comme l'ours, là. Ouais. La bombe, ça, c'est un animal exotique. Je sais pas. En tout cas, au moins, ça. On se sera pas donné des anagrammes exotiques. T'es d'une pchh! Peut-être attirer l'eau en faisant ça. Je l'ai tiré dans le cul!
Donc on va aller dans la maison là parce qu'il y avait un envoi tantôt qu'on n'a pas pu décrypter. D'abord à cause qu'on n'avait pas le crochet. Donc là, donc du coup c'est plus facile. Et c'est rien. Vous donnez des flèches poison, plus de l'expérience. Là on se plaint d'en bas parce que de l'expérience c'est très bien quand même. Et puis là faut aller. En haut là-bas, Étienne, tu reviendras combien de minutes on est rendu, s'il te plaît? 20 minutes. Go! Marche pas. Si y a un truc, c'est parce qu'il y a peut-être de quoi à faire. Le truc, ça c'est sûr qu'il sert à rien. Mais hein? C'est parce qu'il y a des affaires en dedans. Des genres de caisses, je sais pas si on est obligé d'avoir... des flèches en feu, des orphénomènes pour. Oui, j'ai bien dit des flèches en feu, parce que. En feu? Ah ouais, t'as des flèches qui sont en flux, là? Donc. Là, y'a rien, on avait pris. Alors là-bas, peut-être, y'a rien non plus. Oh! J'ai vu quoi, man, la bonne à la gare de jeu, Là, il faut aller en haut tout là-bas, donc ce qui est tout là-bas. Mais vraiment, c'est vraiment. C'est où déjà? Tout là-bas. Là. Hein? C'est où déjà? C'est pas vrai. Parce que là, il faut grimper ça, comme tu vois. Et ça, va encore falloir escalader. Tu vois, les loups, même, commencent à s'en venir. Hein? Tu vois, quand les loups commencent à venir, ça faut tuer, même, la petite base, là. Ça fait 10 ans que j'ai tué un animal et ça n'est pas encore arrivé. Fait que, tu sais. Il a peut-être été pendant qu'il était pas là. Non, peut-être. Mais... on les entend. On les. Donc, ça, c'est rien. Là, là, comme une fois rendu 7, il faut que vous allez vous montiez là. Comment tu sais ça, toi, Yassine? Tu as déjà essayé, tu avais déjà fait ce bout-là. Puis, il ne manque plus qu'à escalader. Mais vous pouvez vous jeter juste là pour commencer. Allez, ouais, c'est quoi cette mort-là? C'est des champignons. On va mettre dans notre soupe à soin. Comme Alexandre qui a des champignons dans sa noix. Ah ouais? Je savais pas ça! J'espère qu'elle ne monte pas tellement. C'est bon, mais ils ont de l'air très bon, c'est pas vrai? Allez, Sabrina, tu vois ce que j'ai dans ma pluie? J'étais là-dedans. C'est champignons! Ah! J'en voudrais même pas pour 5 piastres. Même pas pour une scène, oui. Même pas, j'en voudrais pas tout goût. C'est en savoir et ça arrive. Ok, on va faire le sujet, mais moi je suis très sensible. À ça surtout. T'as rien qu'à pas commencer à parler. Ok, j'ai même parlé de morpion. Non, c'est pas vrai. Ah, oh, ok, c'est bon, ok, on change de sujet. Non, là, encore bien moins, là. Là, un croft de folle. Là, un croft de folle. Quand on s'accroche à ça. Non! Oh, quelle descente, magnifique. On ne s'accroche pas, pour l'instant. Boum de choses. Oh non, mais c'est parce que c'est des choses pour s'accrocher à la main. Je suis nul, là. Non, c'est toi qui t'es nul. Je chie. Bon, oui. Les anciens, tout ça, tenir. On va pas m'envoyer chier, tu sais. Tu vas envoyer chier, non? Ouais, ça va chier. Tu m'as juste dit de te soutenir, mais je t'ai soutenu dans quelque chose. Ah, pour vrai. Donc on va essayer de se rendre jusqu'à la prison si on est capable. Hey, attention, c'est une rivière, hein. On dit que la glace craque, ça lance. Ah là, comment est-ce qu'on est rendu? Tu gagnes. Ouais. 24 minutes. On va essayer de se rendre jusqu'à la prison en 35-40 minutes. Si j'ai 35, on s'y rend pas. Parce que je veux quand même pas faire arrêter d'endormir mes vidéos. 2 ans plus tard, toujours à la même place. Étienne, il est maintenant rendu vieux. On est
rendu. Oh, ouais, ferme ta gueule dans le temps, ok? T'es pas encourageant. Ok, c'est beau d'abord. T'es désespérant. Let's go, Jimmy, let's go. Go, abs, go. Je vois, c'est bien. Du coup, le pont est arraché, hein? Vous savez ça? Ouais, mais ça m'est bien égal. Parce que je pense que ça, en fait, c'est genre... Non, mais va chier, mais comment... Mais d'où est-ce qu'il y a... Ok. C'est même pas pour s'accrocher à la main, ni s'accrocher avec un couteau de combat. Il faut un couteau de combat. T'as tué? Pour s'accrocher, hey, wow. T'as tué? Non. Parce que mon piolet, c'est pas considéré comme un couteau de combat à la bande. Du coup, t'as même pas de couteau de combat. Non, mais tu sais, je vais dire à. À la base, mon piolet, c'est pas déjà un couteau de combat. C'est bon. Oui, Jimmy est réveillé à 2h30. Con. Mais c'est pas trop pire parce que si. Moi, quand on dit couteau de combat, ça me fait sonner quelque chose dans la tête qui dit qu'André Lamar va se faire capturer. Puis qu'on va perdre toutes nos armes, puis on va juste avoir un couteau de combat pour se défendre jusqu'à ce qu'on retourne toutes nos armes. Mais dans ma tête, c'est ça que ça me dit. Je sais pas. On se fait capturer, puis là, on va tout faire l'enfer. Tu commandes genre en haut, juste là. Ouais, c'est ça aussi, mais ça quand j'essaie d'aller au bord, des fois qu'il y avait une caisse ou quelque chose d'important à ramasser. Il n'y a rien. J'aurais dû continuer à descendre. On peut ramasser ça. Mais là, je pense qu'on va encore avoir de l'escalade à faire. Yeah, Jimmy, c'est sûr, Jimmy, hein, c'est ça le jeu. Ah, mais du coup, on peut descendre par là. Mais du coup, faut pas se descendre par là. T'es taillé en haut. Même moi, je descends parce qu'il y a des affaires qu'il faut qu'on ramasse. Du coup, moi, je m'en fous. Attends. Qui peut être prêt à On se fout des commentaires de tien, on continue de descendre. Bon, je vais en parler. Connard, fais tes vidéos tout seul. C'est ça que j'ai pensé aussi. Pas chier. Genre l'autre genre qui est déjà tout passé à l'avant. Je veux juste pas te le dire. Tu m'énerves. Moi ici, tu m'énerves, je veux juste pas te le dire non plus. Ah oh, mais fuck you! Mais va te suicider. Va te suicider. C'est ça, je vais les faire. Non, c'est pas vrai, non! Me mener vers quelque chose à proximité. Donc ça, ça donne de quoi? C'était quoi ça? C'était du... Algonquin. C'est proche des œufs de tout. C'est quand même une cache de monnaie. Une cache de monnaie. C'est Algonquin, c'est ça, en fait. C'est Algonquin, c'est proche de Saint-Clin-Clin-Meumeu. Oh! C'est la province de Toromoutouk, pis c'est dans les îles Galapagos. Les gens, on a trouvé une cache de monnaie. Hein? Ils ont dit travailler pour deux personnes. Hein? C'est plus froid devant. Youhou! On est caché. Aïe aïe aïe. Bon, du coup, est-ce qu'on peut prendre notre cache de monnaie? Merci de me donner ma cache de monnaie.
Ouais, donc c'est donc le langage que tu as dit que c'était quoi? Ben, c'est du algonquien. Puis l'algonquien, c'est dans les îles là, Galapagos. Puis la capitale des îles Galapagos, c'est Tomok Mouktou. Puis c'est dans la village avec les clés de Meumeu. Pas sûr que t'es bon, très bon en histoire. Charge de domaine. Charge de domaine. Ne deviens pas prof d'histoire, ainsi tout le monde va se sauver avec tes vidéos. Non, pas ça, on a juste leur dire qu'on n'a pas d'histoire. Oh! C'est toi, ça? C'est l'étoile. Soviétique. Ça, l'étoile soviétique, ça veut dire que c'est du russe. Ouais. Vous savez, as-tu vu? Je suis bon en histoire. Une porte. Ah oui. Écoute, je suis de ton côté. Je suis technicien, j'assurais la maintenance des Trinitaires. Mais il faut que je me tire d'ici. Ces types sont... ils sont fous. J'ai stocké du matériel, il est à toi. Si t'as de quoi payer, ils remarqueront pas s'il manque quelques objets. Mais s'ils le découvrent ou qu'ils nous voient ensemble, je suis un homme mort. J'ai besoin d'une monnaie intraçable au cas où les choses tournent mal. De l'or de préférence. Alors, marché conclu. Je vais voir ce que je peux trouver. Donc les pièces anciennes, en fait, c'est ça qui sert à acheter des choses. Parce qu'on ne peut pas acheter quelque chose. Une tenue de commando. Un fusil à vision laser. Un fusil lance-grenade. Un ascenseur. Un silencieux pour pistolet. Ça me plaît bien, ça. Vous avez du goût. Oh, mec. Là, avec un silencieux, là... ça va bien faire. On peut tout faire avec ça. C'est pas une bombe. Hé, hey, tu veux checker? Ouais, on est check. À 32 minutes. 32 minutes. On a le temps, on a le temps. Non, là c'est fini, la forêt. Ok, arrête ta vidéo de même. Si on a le temps, on est dans le destempête de silencieux. Si on n'a pas le temps, ben ça sera dans une prochaine vidéo. Non, si, non, au pire, tu l'essayes dans la série tout de suite, au pire. Vas-y, fais-le, fais-le, fais-le un petit coup. Non, ben c'est à cause que ça me gaspille des balles. Ah, blablabla, c'est pas vrai. Je déteste gaspiller des balles. Toi, arrête de fumer. C'est pas bien fait. C'est pas bon pour les poumons, monsieur, arrête de fumer. Il fume pas si tôt, c'est un peu ce qui fait trop faire. Mais si il pourrait fumer puis se tuer, ça ferait bien. Parce que là, il serait mort, mais du coup, je pourrais tout piquer dans son magasin. Un autre qui fait l'assassin. Ah, c'est pas vrai. Ah, je pense pas que je suis le seul à avoir fait l'assassin. Vous ne faites plus aucun rapport. Les Trinitaires. Les natifs nous donnent du fil à retordre. Nos transmissions ont été HS, mais... on a fini par reprendre les choses en main. Si la situation échappe à votre contrôle, alors nous interviendrons. Inutile. Je n'ai pas été envoyé là par hasard. J'ai été choisi pour ça. Je vais réussir. Je vais m'en assurer. Alors. Aïe aïe. Oh. Là, je dirais bien on va s'arrêter là, mais non, je vais quand même montrer où ce qu'on va atterrir. Aïe aïe, man. Aïe aïe. Parce que ce serait chier d'arrêter ça là. Surtout que c'est une cinématique. Lara, est-ce que ça va? Oh, j'ai eu peur. Qu'est-ce que... hein? Qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est sa mère. Je ne sais ben oui. Pas. Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qui se passe, Lara? J'ai peur. Je suis désolée, Anna. Je ne pensais pas qu'il s'en prendrait à toi. C'est même pas sa mère, c'est sa belle-mère. Mais qui sont ces types? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils sont après la même chose que papa. Oh non, Lara, je t'avais dit de ne pas t'engager là-dedans. Donne-leur ce qu'ils veulent, qu'ils nous laissent tranquilles. C'est plus compliqué que ça. Accroche-toi. Je vais nous sortir de là. On va y arriver. Ce que j'aime de Lara, c'est que tu sais, elle a pas peur, tu sais, elle essaie de se libérer toute. Pis...
c'est pas bon signe sur tout le monde. Ne la touchez pas. Quand on voit un collet, c'est pas bon signe. Non. Non, on va prendre un sac sur sa mère aussi. Tu es avec eux ? Comment c'est possible ? Espèce d'enfant ! Aïe, aïe. Tu ne pouvais pas laisser tomber. Je te connais. Je savais que tu finirais par nous conduire à cet endroit. Qu'est-ce que vous me voulez ? Nous pouvons trouver un accord. Nous cherchons la même chose. Tu pourrais nous être utile. Tu as besoin d'avoir un but dans la vie. Nous pouvons t'en donner un. Non, mais tu te fiches de moi? J'ai pu voir comment agissent les Trinitaires. Est-ce que c'est un nom? C'est un va te faire maître. Je suis curieuse, Anna. Tu as été recrutée par les Trinitaires avant ou après avoir commencé à coucher avec mon père? J'aimais Richard, tu le sais. Mais il était aveuglé par son idéalisme. Et ça l'a détruit. Qu'est-ce que tu veux faire de cet artefact? Redorer le monde. Tu es tellement naïve. Tu n'es qu'une petite fillette apeurée qui essaie de marcher sur les traces de son père. Oh. On n'en tira rien. Non, non. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Toi et moi, on peut encore arriver à trouver un terrain d'entente. Réfléchis bien, Lara. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, sa mère est avec les Trinitaires. Donc, sa mère est une trahie. Jamais connu que ça. Je me croyais seul ici. Moi aussi. Voici Jacob dans le nom. Ce n'est pas le cas. Comment s'appelle ma nouvelle compagne d'infortune? Vous fatiguez pas. Je compte pas rester. Constantin est très impatient. Ah, j'en suis aussi. Je vois ça. Joli tour. Vous pouvez nous faire sortir. Il n'y a pas de nous. Je ne sais même pas qui vous êtes et ni pourquoi vous êtes là. Désolée. Je suis en pleine crise de confiance en ce moment. Vous n'irez pas très loin sans moi. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. En effet. Si on voudrait, tu sais, Jacob, on pourrait le tuer. Qu'est-ce que vous savez sur eux? Donc, là, il faut s'évader, mais on va arrêter la vidéo là. Tout ce que je vous montre. Il arrête ça de même, lui. Ouais. Ils sont mon enfants. Tout ce que je vous montre, c'est qu'on prend un tuyau comme ça. Et puis qu'il va falloir aller. Et qu'est-ce que vous comptez faire derrière ce mur-là? Quand je le saurai, je vous le dirai. Et qu'est-ce que derrière ce mur-là? La suite dans un autre épisode. Parce qu'il faut sauvegarder. Non, ça va sauvegarder dans tout le monde. Ouais. Donc vous le saurez dans un prochain épisode qu'on va faire demain, probablement.
Oh putain. Oh, ça fait vieux. Ouais, plus bête, hein. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tout le monde, merci de m'avoir regardé. Peace.